классно. Для показухи. Всякое правительство рабства. Все они стоят одно другого. Ваш ход. Ну вот вы все развалили, а подумали вы о том, что будет возведено взамен? Ничего не понадобится возводить взамен тирании. Как только частная собственность будет упразднена, все люди станут равными и свободными. Новое мирное общество образуется само по себе. Вы так и не сделали ваш ход? Fräulein Wolf, it is a privilege to meet so talented an artist. My name is Kronos. Your Excellency, you do me a great honor. My car is equipped with a piano. I wonder if you would do me the favor of joining me in a duet. It will help pass the time on this rather long journey. What a splendid idea! Shall we say 3 o'clock? I shall count the minutes until then. Good day. Is it very tiresome, your business in Vienna? Oh, well, you know, you always hope that a man will keep his word. When he does not, one hates to lose a good bit of business, but man kann nicht anders. Also dann kommt ihr Geschäft nicht zustande? Ist es abgesagt? Deuxième service, le déjeuner est servi, lunch is served. I too studied music in my youth. If I may say so, I was not without promise. Alas, life had other plans for me. We are none of us free to choose our own destiny, Herr Schmidt. Ah, but when you play, madame, you make all of us feel that we are free and that we can fly with wings. Когда люди наподобие вашего деда вершат жизнью и смертью миллионов русских людей, кто-то должен их свергнуть. Ой, это просто поразительно. Вы же одержимый дед. За что вы его так ненавидите? За что он сделал с Россией. С нами со всеми. Помните, что произошло прошлой зимой в Литвове? No, don't get up. I'll just sit right here and read my paper. Bonjour, monsieur. Attends une seconde. Fais voir ce que tu as. Je l'ai trouvé! Il est à moi! Bonjour, monsieur. Pardon me? Excuse me. Excuse me? Pardon me? Excusez-moi, monsieur. Thank you.
Excuse me. Pardon me. There's absolutely no one here. But of course. Ah, mademoiselle, il est si agréable de vous voir. Nous avons réservé votre table. Thank you. Vous savez, votre présence commençait à me manquer. Sans vous, mademoiselle, l'Orient Express serait juste un train tout ordinaire. Merci, Pascal. Il va falloir t'habituer à déjeuner plus tard, ma chère Rebecca. Sur l'île, on ne déjeune jamais avant 3 heures de l'après-midi. Pendant la journée, il fait trop chaud. Entre midi et 3, on ne peut faire que la sieste. Il y a une fantastique petite coiffeuse au village qui pourrait te laver et te coiffer les cheveux. Tu serais tellement adorable avec une coupe un peu moins stricte, avec des boucles par exemple. Pas de boucles. Mais ma chérie, le but de ce voyage était de te créer une nouvelle image, non? Le vent de la mer fera de toi quelqu'un d'autre. Écoute, alors que s'éteint la torpeur du jour et que le ciel s'embrase de reflets dorés, la mer prend un bleu presque noir. Nous mangerons des olives et du pain cuit au four. Le cuisinier nous préparera son meilleur plat. De l'agneau, si je me souviens bien. Puis, nous marcherons le long de la falaise comme Sappho et son amante, habillés de voiles légers, et nous regarderons le soleil se coucher. Suivi, je suppose, par Joséphine, Victoire et Francesca, aussi habillés de voiles légers. Pourquoi pas? Tu verras, sur l'île, tout le monde fait très vite connaissance. Victoire est absolument irrésistible. L'été dernier, elle se prélassait toute la journée comme un gros chat paresseux qui dort en attendant d'être caressé. I came to be with you, Sophie. Not with Josephine and that crew of parasites. Of course, but Francesca has the most charming little house in Marbella. You cannot take everything so seriously, Rebecca. I'm trying. Très bien. Maintenant, changeons de sujet. Ta garde-robe, par exemple. My clothes? Oui. Maintenant que tu as quitté l'Angleterre, il est temps de changer de style. Entschuldigung. Ah, Herr Whitney. The merchandise has been loaded onto the train. I have fulfilled my part of the bargain. I want to see the gold. Our agreement included delivery of the arms in Belgrade. We're not in Belgrade yet. Herr Whitney, since I boarded this train, I have begun to feel that things are not as they should be. If you cannot reassure me, I intend to get off in Vienna and take my merchandise with me. Guten Tag! Entschuldigung. Bonjour, monsieur. Oui, madame. Cette fois-ci, ça suffit. Il faut faire quelque chose avec ce chien. Je suis désolé, madame. Madame a été dérangée? Les odeurs, les aboiements, c'en est trop. Un chien de petite taille, peut-être. Un caniche serait supportable. Mais un monstre pareil. Et avec un petit garçon dans le compartiment voisin. Je suis terriblement désolé, madame. J'insisterai auprès de Madame Wolf pour qu'elle surveille son chien. Mais non, voyons. Vous savez bien que c'est impossible. Ce chien devait être en cage, dans la soute à bagages, tout simplement. Je dois dire que je suis très surprise qu'une compagnie aussi respectable satisfasse avec tant d'indulgence les caprices de créatures excentriques, d'artistes, au point d'ignorer ses clients les plus respectables. Je pensais avoir acheté un billet pour un train de grand luxe, pas un ticket pour le cirque. Je comprends, madame. Votre opinion est entièrement justifiée. Je vais en parler au chef de train immédiatement. Je souhaite que vous fassiez plus que lui parler. Je souhaite vivement que cet animal soit expulsé des voitures-lits. M'avez-vous comprise? Oh oui, madame. Madame Boutourelle?